Bonjour à tous, nous sommes dimanche, nous allons à Dourdan voir le frère déjà d'Éric, il y a la sœur d'Éric également qui est en région parisienne qui nous rejoint. C'est les 800 ans du château de Dourdan. Tu m'as dit qu'il y avait quoi ? Il y a la garde républicaine, on va très certainement manger quelque part. Et voilà, on va se laisser porter. J'ai une voix de fille cassée, ça fait 7 jours on va dire. Il y a la garde républicaine. Ouais, c'est vrai. Je dors mal, je pense comme beaucoup avec ces chaleurs. La chambre est sous les toits, ressenti 50 degrés quand tu dors, c'est pas terrible. Nous sommes arrivés au premier point de ralliement, près de du péage en fait, tout simplement. Vous avez vu, j'ai mis ma tenue d'été. Il y a le maillot de bain qui est là et j'ai un peu les boules parce que je crois qu'il crache un peu, il va pleuvoir. J'ai rien, j'ai pas de casquette, j'ai pas de truc. Ah si, peut-être là, mais enfin ça va pas être adapté. Donc petite robe, en ce moment je suis robe longue tout le temps, franchement, c'était tellement bien là-dedans. Donc on attend sa sœur. Pour être précis, nous sommes, puisque ta sœur elle est de la Haute-Vallée de Chevreux, c'est ça ? La Haute-Vallée de Chevreux. Donc là on est où ? Ah bah on est ici, on a la sortie. Alors près là, de Dourdan. Non, là bah on est près de Dourdan finalement. Ici on est entre Dourdan et Saint-Arnoult-en-Yvelines. Voilà, tu fais immense. Je suis immense. C'est vrai qu'il est grand, en plus t'as combien ? 1m92 ? Ouais, plutôt 11. 91, et moi je suis à 1m60 quoi moi ? 62 ? 74. 74. Ne me touche pas les fesses. Les gens nous regardent. Les gens le voient. On est arrivé dans Dourdan. On s'est garé un peu loin parce que forcément tout est bloqué avec ce que je vous ai dit, ce qui se passe. Il y a un monde. Donc là on va rejoindre son frère, je crois, dans un troquet. Ok, ça marche. Et Eric me montre un peu tout parce qu'il est un peu du coin aussi. Les endroits de son enfance, le conservatoire, tout ça, tout ça. Il vient vers nous. Ah, ok. Donc là, évidemment, il y a énormément de monde par rapport à cette animation du jour. D'accord. Oh ! Ah oui, c'est joli. Je les ai perdus. Ah non, ils sont là. Salut. Fil conducteur dans mes vlogs, il y a des chevaux maintenant. C'est des chats. Ah oui, c'est le fil conducteur. Ah mais ouais. Fais attention, c'est du pavé, c'est hyper... Ah ouais, j'avoue. Ouais, fais gaffe. Parce que j'ai des nouvelles chaussures. Ah ouais, t'as mis des nouvelles chaussures. D'habitude, je suis en basket et là, je sais pas, j'ai déconné. Donc il se peut que tout à l'heure à la IFIT ou à l'Intermarché, je t'ai dit. Non, c'est fermé, bébé. On va peut-être prendre le trottoir. On va passer un milieu. J'ai droit au moins de vlogger, ça se trouve, c'est privé. C'est gênant si on filme. Pas du tout, au contraire. Bon, il vous a pas dit, mais c'est 150 euros à parquer. D'accord. Par minute. Bonjour, toi. Attention à vous. Si vous le prenez, j'en ai eu. Je suis d'accord. C'est quand même du cheval de qualité, là, ça rigole. C'est impressionnant. La dame, elle va donner le top avant le défilé. La garde républicaine, c'est donc la garde de l'Elysée. Ok. C'est français. Déjà, je suis sûr, à 5 étoiles, elle va manger ce midi. Moi, j'avais peur d'aller manger de la viande faisandée, tout ça. C'est très mignon, hein, parce que je découvre plus ou moins. Bon, je suis venue une fois, mais bon. J'aime bien les librairies, comme ça, qui ressemblent à des librairies et pas des bureaux de presse, enfin, vous voyez, les tabacs. Donc là, ça doit être les ânes, ça ressemble à un truc de marché. Je sais pas où il nous emmène, mais je pense qu'il nous emmène boire un verre. Salut. Tu vas bien la forme, hein, Lionel. T'as revêtu ton... Ah ouais, je crois qu'il y a le... Restaurant lunch, la Célia d'Etrémy. Bah écoute, c'est magnifique ce restaurant. Faut que je remonte les toilettes, c'est trop beau. Bon les amis, j'avais plus l'habitude, j'ai bu du champagne, du champagne, c'était très bien. Moi, je ferais bien un truc, et là on se balade, et là tu m'as dit quoi Lionel, c'est quoi ça ? C'est l'escalier le plus vieux d'Ordon. D'accord. Je vois bien que les marches elles sont marquées par le pas, par les marches ancestrales. Charles Auguste ici. D'accord.
donc roi de Jourdan. Il était là, il vient de la Croix-Saint-Jacques. Donc, juste, là, je rappelle juste, nous avons tous bu un petit peu de champagne. On a arrêté donc, le sarrasin. Ne prenez pas tout. On a arrêté le sarrasin là, quoi. Oui, la crêpe sarrasin, elle s'arrêtait là. Ah oui, je ne vous ai pas montré, alors en fait, parce qu'il y avait une DJette. Ça a rien à voir, Yo. Avec de la musique beaucoup trop forte, donc tu ne peux pas les droits d'auteur. Et on aurait voulu aller là-haut, mais il y avait encore beaucoup de queues, donc flemme. Regardez, on voit les gens. Salut, ça va? Lui, c'est un enfant. Je préfère dans les châteaux, c'était les oubliettes. Oui. Bon, je profite d'une accalmie au niveau musical. Enfin, quoi que. Il y avait DJ, donc forcément, droit d'auteur et compagnie. Il refait beau. Ils sont partis dans les douves, je crois. C'est quand même très agréable. Il fait de nouveau beau. Et ça, c'est cool. Tiens, le nerf de Dodon. Bonjour Paolo, j'ai rencontré tout à l'heure. Ils m'ont dit de les rejoindre au niveau des douves, mais là je ne vois pas trop. Et tu connais Balek? C'est moi, je me filme mais je m'en fous. Ah bah là, t'as bien raison. Ouais. T'as fait Bibi? Oui, ah bah oui, voilà, bien sûr. C'est bien. Ouais. Donc voilà. Ouais, après maintenant, tu peux Tu peux t'arrêter s'il te plaît? On est à l'hôtel Best Western pour boire un petit verre. Ça, c'est son monde en extérieur, là, il n'y a pas trop de musique. Ah, si je vous ai montré, là, c'est très joli. Normalement, on en a aperçu, on est en fait juste ici. Voilà, bon, bah, je pense qu'on va pas tarder, on va rentrer, on doit avoir une heure de route. C'était bien sympathique, hein. Plus ça va, plus je me dénude, moi. On est rentré. Oh, cette journée, j'ai plus l'habitude. Il est 19h, là on va se poser. Je vais grignoter. Et coucou, nous sommes le lendemain, on s'est levé très tôt, enfin oui, à 6h. Ça va être 9h, on attend l'entrepreneur. Arrête, il est perturbé parce qu'on a déménagé. Tous les meubles, vous voyez, tout ça va être fait. C'est cool. Donc il va commencer par cette entrée. Comme je vous ai dit, je suis encore dans la réflexion à choisir le coloris de la peinture, je sais pas trop. Bon, là j'ai reçu deux gros colis. Il va falloir que je déblaye. Et voilà, il devrait pas tarder, il m'a appelé, il cherche juste une place. Avant, après, comme ça, ici forcément pareil, on a tout bâché ce matin, parce qu'hier on avait vraiment pas le courage, on était crevés, parce que regardez, oh, tu en penses quoi ma jaquette? Perturbée la jaquette. Ça c'est un colis, je ne sais pas, notre petit colis là-bas. Objet de... Ah bah voilà, le banc a été mis ici. J'en profite, je vous montre, il est parti faire sa pause... du midi, alors, ça a quand même pas mal avancé, hein, donc il est en train de faire tout le plafond, et du coup ça a déjà recouvert un peu le trou, et il m'a dit que déjà cette partie, ce soir, ça serait probablement terminé. Ça va vite. Ah, je trouve ça cool. J'ai reçu les paquets de ce matin, donc ça, j'attends encore demain pour vous montrer, et ça je peux vous montrer. C'est la box gold, le cadeau que l'un des abonnés recevra pour la box de juin. Enfin, dans la box de juin. C'est vraiment chouette, hein. C'est la marque Moon and Sun Bijoux qui offre à l'un des abonnés, oh, j'aime trop, un sac et des petites boucles d'oreilles. Il est super joli. Maman est passée tout à l'heure et elle me dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau !» Je le veux, il est trop beau. Tu m'étonnes. Mais non. C'est la box gold. L'anse est très quali. Elle est lourde. Elle est. Alors, c'est le petit sac nuage et les boucles d'oreilles. Ce sont les Romanes. Et il y a également, donc sur son site, un petit code promo. C'est Box Le Boudoir 20. Donc, vous bénéficiez de 20%. C'est jusqu'au 30 juin. Ce sont des deux petites boucles d'oreilles un peu plus en plaqué or. Voilà. Écoutez, à vous de dire. Non, mais allez-y, hein. Ah, mais il n'y a aucun souci. Bon, je remonte. Je fais un montage. Franchement, trop beau, l'ensemble. Ouais, parce que je sais pas si je vous dis, mais ce mur, je pouvais plus me voir, donc ça évidemment, c'était avec tous les dégâts de la fibre. Il y a plein d'auréoles, c'est pour ça qu'on va faire une couleur très foncée ici, pour éviter, parce que si tu remets du blanc, oui, ça va être bien pendant quelques temps, et puis après ça va repartir. Et tout le mur ici, c'est un mur qu'on avait repeint quand même, tout blanc. Et là, il y a des pets partout, entre les déménagements, les trucs, regardez. Ouais, non. C'est pas du luxe en fait. J'annonce le coup de barre de l'espace. Ah, je faisais la maline ce matin, mais là, je crois que je paye. Bon, bah, 6h du matin. Hier, j'ai dit que j'allais me coucher tôt. Tu parles. Déjà, j'ai commencé une nouvelle série. Et j'ai dû m'endormir vers 1h du mat, réveillée à 6h. Et puis, bah, la journée d'hier m'a quand même crevé. Champagne et tout le reste. Ça pique. Là, il vient de partir. Il est pas loin de. Il est presque 4h et il doit laisser sécher l'enduit. Il revient demain matin. Ça avance, c'est cool. Et bah justement, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je réfléchisse à la couleur
La couleur, c'est chaud quand même, hein. Et on se demandait, est-ce qu'on fait tout le mur ou est-ce qu'on laisse la partie qui est un petit peu, c'est vrai que c'est le charme de la maison, donc je vais laisser comme ça blanc. Et ouais, voilà. Et il y a encore tous les éléments. Mais là, on va aller à Chartres pour aller chercher les éléments de salle de bain, vu qu'il y en a deux, poignées de porte. Enfin, on a plein de petites choses comme ça. Un volet aussi dans la chambre là-haut. Je suis contente de vous montrer aussi l'évolution. Ça va être très sympa. Eric, il va pas tarder là. Il avait cours jusqu'à 3h30, un truc comme ça. Et je pique du nez, mais sévère. Si avec moi, j'irais me poser 20 minutes. Oh, la petite tête. Quoi d'autre? Non, bah c'est tout. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant et vous reprendre demain peut-être. Sinon, après-demain. Ciao.